Guérilla Social Club est né d'une vraie rencontre que j'ai faite il y a une quinzaine d'années maintenant. À l'époque, j'étais journaliste et je préparais une enquête, un portrait non officiel d'Augusto Pinochet, dictateur chilien. Au cours de cette enquête, on s'est rendu compte avec mon co-auteur de l'époque qu'il y avait eu une tentative d'assassinat de Pinochet qui avait échoué. Et on a cherché pendant de longues semaines les membres du commando qui avaient essayé de tuer Pinochet. On a fini par en trouver un, notamment la personne qui a tiré sur Pinochet. Et c'est cette rencontre qui était assez improbable et percutante pour moi qui m'a donné l'idée d'écrire Guérilla Social Club. Je lui avais dit d'ailleurs à l'époque, il a fallu 15 ans pour que j'arrive à écrire le roman, mais je lui avais dit à l'époque, cette rencontre m'a tellement marqué qu'un jour tu seras dans un roman, parce qu'il a effectivement tiré au lance-roquettes sur la voiture dans laquelle était Pinochet, et la roquette n'a pas explosé parce qu'il était trop près. Il m'a dit une phrase qui m'a marqué, il m'a dit si j'avais fait un pas en arrière, j'aurais changé l'histoire. Et c'est le point de départ de Guérilla Social Club.